800 observateurs des droits de l'homme en période électorale sont ici en formation et seront déployés sur toute l'étendue du territoire national dans 7 jours. Une formation qui vise à donner les derniers outils nécessaires pour prévenir tout acte contraire aux droits de l'homme avant, pendant et après l'élection présidentielle. Il faut qu'ils apprennent, qu'on fait un petit rappel des principes des droits de l'homme, de l'importance d'impartialité, de l'importance de crédibilité et de vérification d'informations. Et surtout, la façon de protéger les victimes ou les personnes qui sont censées être victimes d'une violation des droits de l'homme. Le but de notre observation, c'est pour prévenir les conflits. C'est l'occasion pour le gouvernement, à travers le ministre des Droits de l'Homme, de réitérer le souhait de voir les citoyens adopter un comportement citoyen au cours de cette période électorale. Et que dire du contenu de la formation? J'en appelle donc au sens de responsabilité des partis politiques et des candidats qui doivent éviter de provoquer ce genre de situation par des propos incendiaires. Personne n'a intérêt à canaliser les esprits de ces militants vers des revendications sans fondement et surtout vers des comportements qui ne respectent pas la loi et occasionnent des violences gratuites sur les paisibles populations de notre pays. Un numéro vert sera mis à la disposition de la population dans les jours à venir pour éventuellement dénoncer tout acte de violence observé au cours de la période électorale.